expérience. Ces quelques secondes, juste avant un match, c'est déjà du foot, mais sous une autre forme. C'est le football qui s'imagine, le football qui se pense, le football qu'on attend. Et c'est pour ces moments que ce sport est très grand. C'est pour ces moments qu'on aime le foot. Alors installez-vous et préparez-vous à rêver. A tout de suite pour profiter de tout ça ensemble. Salut tout le monde, bienvenue dans les tribunes du Parc des Princes. Ici, Benjamin Da Silva et à mes côtés, Omar Da Fonseca, oui, l'homme qui a osé laisser sa carte de visite à Léo Messi. Et si l'on en croit la feuille de match, on va avoir droit à un sacré spectacle, le Paris Saint-Germain contre Newcastle. On parle toujours beaucoup avant, pendant et après le match. Mais quand le ballon se met à rouler, l'émotion dépasse la raison. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Marquinhos avec Milan Skriniar en défense centrale. Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Et voilà donc la composition de cette équipe. Dans le but, on retrouve Nick Pope. Bruno Guimaraes sera épaulé par Sandro Tonali au milieu de terrain. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. Peut-être un bon mouvement offensif pour le PSG. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Et ça joue vers Achraf Hakimi. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbappé. On va suivre de très près ce que le Français va réaliser. Sa caractéristique principale, on la connaît, c'est sa vitesse, sa capacité à prendre les espaces, à plonger dans le dos des défenseurs adverses. Et oui, la bonne passe en profondeur. Kylian Mbappé. Oh oui, ce but! Quel geste! Quelle reprise de volée! Quel golazo! Et voilà encore une fois, tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. À la conclusion, on retrouve Mbappé à cette distance de la cage. Il est toujours intraitable. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Qu'est-ce que c'est mal donné? Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Super intervention et donc ce face-à-face est manqué. C'est toujours comme ça dans un duel. Tout se joue dans la tête. Zaïre Emery. Avec Kylian Mbappé. Mbappé pour le centre. Ballon récupéré en pleine surface de réparation. Un bon travail sur l'aile pour bouger le bloc adverse. Et ce centre vers le point de pénalty. Ah, le ballon est récupéré, mais attention au pressing derrière. Oh, la frappe au but. C'est au fond des filets. Égalisation de Newcastle. Ce match est relancé. Parfois, je me demande comment les entraîneurs ne deviennent pas fous. Moi, je vois ça. Je deviens fou. Tu as un ballon en défense et pour une raison mystérieuse, tu le rends. Et derrière, bien sûr, tu te fais punir. Et ça reprend après le but de l'égalisation, un partout. Zaïre Emery. Manuel Ugarte. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Et le concentre là, peut-être. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Le ballon pour Hakimi. Mbappé peut-être pour reprendre. Et hop, le danger est écarté.
côté. Zaïre Emery. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Et oui, le tir, c'est contré. Ah, il prend sa chance de loin. Et ça va terminer sa course dans les gants du gardien. Guimaraes. Ballon vers Isak. Ah, est-ce que ça va partir en contre là? Et il remporte son duel, bien défendu. Très bonne progression, balle au pied. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Bruno Guimaraes. Oula, le ballon est rendu directement à l'adversaire. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Oui, le bon geste défensif. Olé, bien joué le petit pont. Oui, il y a la place pour un bon centre. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler. La mi-temps. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. En excellente position pour tirer. Goal ! Et une nouvelle fois, les voilà devant. Maintenant, il va falloir garder cette avance. Pas de fissure, pas de doute. Il sait parfaitement où doit aller la balle depuis le début. Golazo! C'est reparti dans cette rencontre avec les Magpies menés d'un but. Oh là là, mais quelle intervention dangereuse. L'arbitre va sans doute pas hésiter à mettre la main à la poche. Oh, c'est le rouge. Ça va pas faire les affaires de ton équipe. Pourquoi s'en vouloir? C'était déjà un match difficile. Alors maintenant, ça va pas arranger les choses. Bonne intervention, la passe est interceptée. Il y a du monde en soutien. Ah, il prend sa chance de loin. Alexander Isak. Isak. La possession change de côté.
Dembélé dans le couloir, il a du champ. Ah, il peut conclure. Bonne intervention du gardien. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Vers le point de pénalty. Ah, une intervention pleine d'à-propos sur ce corner. Le ballon ne lui échappe pas. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Il faut qu'il prenne sa chance là. Et bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Et finalement, pas de danger. Et le pressing pour empêcher la relance. C'est un ballon perdu. Il y a du soutien en attaque. Et le tir. Et la parade. Mais ce n'est pas fini. Chers amis, chers, ça n'ira pas plus loin. Merci de signaler à l'un de nos autres le moindre comportement ou colis suspect. À grosse pression. Ballon perdu. Guimaraes. Bien joué dans le dos de la défense. Et Ousmane Dembélé, qu'est-ce qu'il va tenter là? Et le break est fait, les voilà, avec une avance confortable maintenant. La passe qui vient chercher la profondeur, on la revoit sur ces images, c'est vraiment un geste décisif. Et à la conclusion, tu mets tout ton courage, ton cœur, ton enthousiasme. Ça donne un but avec une belle valeur esthétique. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Isaac. Le ballon pour Hakimi. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Projection vers l'avant pour le PSG. Colomoigny à la réception. Un sacré frappe, mais c'est à côté. Offensivement, le Paris Saint-Germain interprète une partition idéale. Tout y est. C'est une symphonie de buts et de jeux offensifs. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Ballon pour Kieran Trippier. Ah, la défense est battue. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Ah oui, c'est bien subtilisé ça. Sven Botman. Ah, ça joue pour Trippier. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Oui, bien fait ça. Ah, c'est contré par Marquinhos. Ah, ça joue sur Trippier. Attention, dans la surface, il y a du monde évidemment. Et c'est la transversale qui détourne cette tête. Qu'est-ce que c'est fragile le destin. Quelques centimètres plus bas et l'histoire était différente. Trippier. Trippier reçoit le ballon. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Ah, pour le gardien, c'est un centre sans difficulté. Colomoigny. Ousmane Dembélé reçoit le ballon. Warren Zaïre-Emery. Ah, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Ah, peut-être une option pour une contre-attaque. Une
bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Guimaraes. Ouais, la bonne passe dans la profondeur. L'arbitre là applique la règle de l'avantage. Il y a faute, mais il laisse jouer. La victoire, voilà, c'est terminé. L'arbitre siffle la fin du match. Le succès est pour le Paris Saint-Germain. Une victoire avec deux...